Oui, merci, Monsieur le Président. Chers collègues, avec la complicité de 5 États membres de l'Union européenne, l'Arabie saoudite intégrera donc l'année prochaine la Commission de la condition de la femme aux Nations unies. Dans ces circonstances, pourquoi ne pas nommer Bernard Madoff à la tête du FMI ou de décerner aux dirigeants nord-coréens le prix mondial de la liberté de la presse? Car pour ceux qui ont la mémoire courte, et ils sont nombreux, je leur rappelle que le gouvernement saoudien prône la pratique d'un islam ultra-rigoriste qui inclut le mariage forcé, l'excision des jeunes filles et la lapidation des femmes coupables d'adultère. Ces violations quotidiennes du droit des femmes devraient pourtant les interpeller. Eh bien non, par intérêt ou par lâcheté, certains ont préféré se cantonner d'envoler lyrique mièvre dans ce théâtre européen où ils n'ont plus qu'un rôle de figurant. Alors, avant de demander aux petites filles européennes de jouer à la voiture, eh bien, commençons donc par assurer que la femme ne soit plus considérée comme inférieure à l'homme dans l'un des pays membres de cette commission.